Aïe! Ah, je suis mort, hey, sauvez-moi. Quoi? Sauvez-moi. Je suis à côté de l'arbre, je suis en dessous de l'arbre tombé. Quoi? Ouais, je vais voir si ça m'a. Si on avait. T'es où? Ah, mais t'es vraiment mort en fait. Ah non, ah, je suis inconscient. Revive. Je t'ai revive. Mais attends, mais là. Le pire mec. C'est l'arbre! Le mec qui a réussi à mourir par l'arbre, quoi. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Icarus pour la deuxième vidéo sur le jeu, mais finalement pour la première de l'aventure en coopération avec la team. Je profite également de ce début de vidéo histoire de vous amener des petites précisions et correctifs par rapport à la première vidéo sur quelques informations assez importantes, à savoir l'objectif qu'on a réellement justement sur le jeu et pourquoi on a envoyé sur une planète. Parce que c'est vrai qu'autant je m'étais beaucoup intéressé au gameplay et tout, autant j'avais pas forcément tout capté, donc merci vraiment pour les commentaires qui ont ajouté des informations sur le premier épisode. Je l'ai partage donc avec tout le monde aujourd'hui pour que ce soit clair. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, on est envoyé sur une planète pour aller récupérer des ressources en particulier. Et du coup, le timer qu'on a, c'est justement le temps qui nous est imparti pour ramener ces ressources à l'organisation qui, nous embauche pour ce boulot. Et donc, lorsqu'on retourne en orbite, c'est justement parce qu'ils reviennent nous chercher. Finalement, ils nous réamènent en orbite, si vous voulez, une fois la mission terminée, pour valider la mission et récupérer les récompenses. D'ailleurs, avec ce système, ça fait que notre personnage va conserver son expérience, finalement. Donc, j'imagine qu'on va garder les plans qu'on aura débloqués, ce genre de choses, d'une partie à une autre, finalement. Donc, à voir justement comment ça va être géré à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un concept intéressant et certains le comparent un petit peu à du Tarkov, hein, finalement, dans l'idée de on va dans un endroit pendant un certain temps et on revient, sauf que voilà, c'est un Tarkov survival finalement, roguelite aussi pour certains, enfin bref, c'est vrai que le concept est plutôt sympa. Je voulais vous montrer quand même le début rapidement également, puisque je vais recréer un nouveau personnage pour jouer avec ma team, histoire de redémarrer à zéro avec eux, que ce soit un début propre, et en même temps ça signera justement le début de l'aventure avec vous aussi. Et du coup, voilà, au niveau de la création du perso, il y a une petite custom qui n'est pas non plus énorme. Voilà, on peut changer un petit peu la tête, mais il y a quelques têtes préfaites. Honnêtement, la première n'est pas plus mal. On peut rajouter des cicatrices, voilà, aussi au niveau de la barbe et tout. On pourrait y en mettre un petit peu. D'ailleurs, il n'y a pas de choix. Je crois qu'il n'y en a qu'une, voilà. On va y mettre ça, le petit mal rasé. Il y a des tatouages possibles pour vous montrer un petit peu. Pourquoi pas, à la limite, un petit tatouage. Pourquoi pas un petit tatouage, mais pourquoi pas celui-là, allez. Bon, après, c'est pas ça qui va changer grand-chose. La couleur des yeux, je m'étais amusé à le mettre rouge la dernière fois, je vais refaire la même chose. Bon, la couleur de la peau, ok. Ensuite, on a un petit logo aussi qu'on peut changer. On va mettre le logo Icarus, hein, je pense. Pas grand-chose non plus en choix hein, pour le moment. Donc voilà, la custom est quand même très rapide. Je pense que je vais mettre ça comme ça. La custom est très rapide, mais bon, après, c'est pas pour ça personnellement que je joue au jeu. Et puis c'est susceptible d'être amélioré, je pense, avec le temps. On n'en est qu'au début. Et donc voilà, je voulais vous montrer le menu qui, lui, par contre, a bien changé depuis la première vidéo que je vous ai fait dessus, qui était, je vous dis, un accès un petit peu anticipé. Donc ils n'avaient pas encore trop travaillé le menu, et puis j'avais des bugs dans le menu. Et là, franchement, bah, c'est beaucoup plus propre, déjà, ce qu'on a sur la version ouverte. Donc là, déjà, justement, on retrouve l'arbre de talent. Donc ça confirmerait qu'effectivement, on va conserver nos levels d'une partie à une autre. Donc en fait, on redémarre pas vraiment à zéro. Et ça explique aussi tous les talents qu'on a là-dedans. C'est que finalement, on peut pas tous les débloquer dans une partie lambda, je pense. Après, une partie lambda, là, elle dure 21 jours. C'est des jours IRL. Donc c'est quand même très long. Mais plus tard, faut vous dire qu'on aura des missions. Parce qu'en fait, dans la bêta actuelle, ça je vous avais expliqué déjà dans la première vidéo, justement ce qui allait se passer au fur et à mesure des bêtas, au fur et à mesure des week-ends, ils vont rajouter des choses. Il n'y a pas encore les missions, les amis, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a que ça. Plus tard, on aura différentes missions qu'on pourra choisir. Et donc, j'imagine que aussi les délais vont être beaucoup plus courts que 21 jours. Ça me paraît quand même énorme pour le coup. Mais là, en fait, c'est vraiment une mission test. Donc je pense que encore une fois, le délai... Ça m'étonnerait qu'on ait des délais aussi longs pour... Enfin, à moins que les parties soient vraiment difficiles. J'ai pas encore de notion. À moins que vraiment les objectifs soient vraiment très compliqués ou qu'ils se basent sur des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu à voir. Mais ça me paraît quand même assez long pour une mission lambda, pour le coup. Et là, en l'occurrence, justement, là, c'est bien mieux expliqué quand on vient là-dedans aussi, vous voyez. Donc là, claim prospect, ok, on y va et tout. Donc d'ailleurs, il y aura apparemment plus tard un certain coût et des récompenses également. Une difficulté, ok. Par contre,
Par contre, alors d'ailleurs, on a l'air de pouvoir avoir plusieurs personnages aussi. Ça peut être peut-être intéressant justement pour se lancer sur plusieurs missions en même temps, j'imagine, si on n'a pas réussi à la terminer et si effectivement les durées sont longues. Là, ouais, ça peut être intéressant peut-être d'avoir un personnage dans une map, un autre dans une autre, puisqu'en fait, on ne peut pas le sortir une fois qu'il est lancé. Donc ça peut permettre, si on veut jouer avec des potes qui sont ailleurs, par exemple, voilà, de prendre un autre perso. Donc c'est vrai que ça peut être, par exemple, utile. Et vous voyez ce qui est marqué là? Apprenez à survivre dans Icarus avant de commencer à chasser pour Exotix. Donc j'imagine que Exotix, ça doit être ça. Donc ça, c'est un truc que j'avais pas bien compris aussi la dernière fois, mais ça doit être du coup l'agence, hein, pour le coup. Il parle de chasse, par contre. Donc au niveau des ressources qu'on va ramener, est-ce qu'il y aura aussi un côté, peut-être une créature à chasser spécifique, des fois, ou ce genre de choses? On verra. Je sais pas trop à ce niveau-là. Et du coup, voilà, bon, ça c'est basique, c'est pas forcément intéressant derrière. Il y aura des événements, effectivement, par rapport à la météo. Voilà. Mais tout ça pour dire que dans tous les cas, ok, ça fonctionnera avec les missions et tout ça. Mais pour le moment, lors de la bêta, jusqu'à ce qu'il y ait justement l'ajout des missions, on est quand même dans un survival basique. C'est-à-dire qu'on va sur une map juste pour survivre. Et honnêtement, le temps, on a le temps qu'on veut, quoi, actuellement. De toute façon, vu qu'on est assez libre, on peut profiter justement de prendre en main le jeu et d'essayer de découvrir un maximum dessus comme un survival lambda. Ceci étant dit, on est parti du coup, je vais lancer avec ma team et on va redécouvrir ensemble et se lancer dans la vraie aventure. Let's go les amis. Kelly arrive. Attends, regarde dans le ciel, Noctassura. T'entends déjà le bruit? Ah oui! Et regarde, tu vas voir l'arrivée, elle est trop stylée. Genre, ils ont pas fait un truc genre basique, ils ont vraiment travaillé le truc, tu vois. C'est vachement stylé. Et puis tu vois, on n'atterrit pas les uns sur les autres, on n'est pas loin, mais. Tu vois, ils auraient pu emboîter et dire bon ok ça passe. Regarde, t'as vu comment ça fait l'arrivée? Ah, c'est Les effets de stylé. fumée et tout, c'est trop bien fait. Viens, on va aller à Chacun son fait pod, un comme ça peu. il sait où on est, parce que lui il sait pas sinon. Attends, du coup tu vas à ton pod et t'as un truc d'interaction direct. Ouais, t'appuies sur F et tu peux C'est mettre où? des ressources que t'as récupérées dessus et Ah. repartir. Ah et ben ça tu vois, je pensais qu'on pouvait le faire qu'à la fin du. Enfin ouais non, pas forcément, mais que si on avait rempli l'objectif quoi. Et en fait à tout moment du coup on peut se rebarrer quoi. Et là, interact. Ah ouais, donc là, avec les ressources que j'ai, par exemple, école. Ah non, comment je les. Comment on les transfère rapide? Je sais pas, j'ai l'impression que ça disparaît. C'est peut-être encore un peu buggé, je pense, encore à ce niveau-là. Request. Je sais pas, j'ai un message Alors. d'erreur. Ah non, mais c'est le message erreur parce que j'ai essayé de rejoindre ça, ok. Mais là, ok, c'est mis. Si je fais ta école, ouais, je peux pas les récup, ouais, donc ça a l'air d'être un peu buggé. Et Alors, on là, va essayer de return to rejoindre. Oh, station. j'ai rejoint ma partie. Delete Pas all de items you are request. currently carrying. Reward. Ok, on aura les récompenses en fonction du coup. Ok. Et là, hop, tu repars. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, donc ok. Donc ça veut dire à tout moment en fait tu peux quitter. Donc si jamais t'as des potes en fait sur un autre truc, tu peux quand même quitter avec ton perso et les rejoindre. Ça. Vas-y, Rock, tu peux me lancer une invitation. Bon bah tant pis. Bah let's go à 3 du coup. Alors, c'est parti, hein. Mais attends, par contre, cette bestiole là que j'entends, elle est où là? J'entends un bé. Ouais, Par contre, j'avoue que c'est trop mignon de voir le petit à côté du grand. t'as C'est trop chou. En plus, c'est ça, il s'est couché et tout, tranquille, l'autre côté de l'eau. Ah ouais, les pépères, comment dire. Ah, il y en a un autre qui arrive encore. Un autre adulte. Ouais, c'est trop mignon. Bah écoute, on va commencer à faire les premiers trucs le temps qu'ils les rejoignent. J'ai fait les premiers outils déjà. J'ai eu un level déjà, mais. Wouah! Ah ouais, Ouais, j'ai un tech. level aussi. Ouais, t'as vu, il y a des choses quand même, hein. Après, tout Oui, n'est pas un petit encore peu. accessible. Ah voilà, là c'est marqué, mais avant de taper, c'est quand t'as la pioche en main. Oh, il m'a fait peur le bruit, j'ai ghosté une bestiole. Ouais, j'ai un micro-freeze. Non, mais par contre, Kelly, à chaque fois, il revient, il repart, mais du coup, il met des pods partout Hey. sur la map. Mais oui, il y a plein de pods. Il y a des pods partout là pendant qu'il fait ses réglages. Mais en fait, genre, quand tu quittes, ton perso Il est fini. reste. Ouais, mais tu peux plus le reprendre parce que ça fait bad error requested. Ah. Donc t'es obligé de refaire le Bah tu peux perso. le reprendre en solo, je Et pense. Je pense que c'est le multi ça. qui est encore un peu Ah bugué à ce oui, niveau. c'est. C'est multi, Timber. Putain, il tombe pas. Déçu. Bah écoute, il y a de la physique, hein. Il est bloqué contre l'autre arbre. Hein. Casse l'autre arbre et les deux vont tomber. Il y a un truc qui me voit, il y a quoi là? Je sais pas.
Ça va mieux, Teddy, ou pas? Bon, bah, on va jouer à 40 FPS, hein. Ah, 40, ça passe, hein. Alors que j'ai mis en low, il y a absolument plus rien, genre plus d'herbe, plus de buissons. Je suis à 30 FPS. Toi, ça va, Noctas, ou pas? Oui, on sait pas. Non, en vrai, c'est moi qui les limite. Moi, c'est moi qui les limite à 60, du coup, vu que je record, de toute façon, ce sera du 60 derrière, donc autant que j'ai la même chose, mais. Mais en vrai, je suis stable à 60 ans. Après, ma carte graphique, elle est un peu vieille, hein. C'est ouais. 70. Donc bon. Donc combien t'as dit? 1070. Ouais. Ah, c'est vrai que là, le jeu est quand même pas dégueu, donc. Bon, par contre, je suis en train d'essayer de me finir ma stun. Je peux en avoir pour une heure à taper sur mon rocher, en fait, je me rends compte. Hein. Mais il y a tellement de choses. Noctas, il est en train de découvrir tous les crafts et tout là. Oh, mais non, mais les talents déjà, tu regardes les talents. Ouais, j'ai vu ça moi, du coup, la dernière fois déjà. Je vous laisse le temps de regarder, moi je farme un petit peu. Mais tellement de choses. Mais par contre, faudrait peut-être qu'on se répartisse un peu au début, jusqu'à ce qu'on ait des persos plus haut niveau en tout cas. Parce que je sais pas jusqu'à quel level on va pouvoir aller quoi, du coup, et on va peut-être manquer un peu de points sinon, au début. Ça c'est tech aussi. Ça c'est level 10. Si jamais Kelly, on a juste traversé l'eau hein, du coup par rapport à l'eau, il y avait des pods en théorie. Là il y en a plein quand même des pods. Bah oui, t'as un pod qui t'est revenir. Bon, il n'a pas dit. Et alors pensez. Il y a la map, ta fond, je crois que tu vois avec la map. Bon, tu peux pas trop zoomer, mais tu vois avec la map. Tu vois les pods, tu vois les joueurs aussi? Non, tu les vois pas, hein, je peux voir. Ouais, je vois un cadre. Déjà, je vois des pierres tombales déjà sur la map. Non, mais c'est Kelly. C'est tous les persos qui laissent là en fait, ils meurent. Pensez à farmer, vous avez des petits rochers bleus et du coup c'est de l'oxyde et ça vous pouvez l'utiliser pour vous remettre de l'oxygène. Parce qu'il y a de l'oxygène à gérer sur le jeu. C'est quoi t'as dit les. Là ce que je farme là à côté de toi, attends t'es où? Je suis près de l'eau. Ouais. Ouais. Ah t'es là. Ça, faut farmer. Ah, c'est ça. Kelly, à ta droite Kelly si jamais. En face, à droite, on est là. Youhou. Et ouais, ça c'est de l'oxyde, il y en a un deuxième ici, je vais laisser le deuxième à la limite que Kelly voit. Ça tu farmes, et alors je pense qu'on va pouvoir les transformer plus tard pour que ça donne plus d'oxygène. Mais là déjà tu peux les utiliser et ça donne de l'oxygène dans l'état actuel. Donc c'est assez utile. Ouais, ok. Kelly, bah fais-toi les outils de base et déjà tu pourras en farmer et tu verras les noms plus dessus. Ah, c'est bon déjà. Excuse-moi. C'est trop rapide. On va prendre un peu de bois. Bah du coup en vrai c'est comme vous voulez, soit on s'installe dans le coin déjà et ensuite on part explo tranquillement. Ouais en vrai, non ouais, en vrai on va faire ça en fait. Je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que d'explorer et s'installer plus loin. Y'a des dégâts entre nous? Oui. Oh, oui. Oh le 29. Il a testé instant sur son pote. Ouais. Ouais non, en fait je vous dis il vaut mieux qu'on se prépare parce que sur ma partie test il y a eu assez rapidement une tempête. Alors c'est pas les tempêtes les grandes puisqu'elles sont apparemment bloquées, mais c'est suffisamment ouais. pour qu'il faille pas rester à l'extérieur, tu vois. Donc si les tempêtes, ce sera la troisième grosse mise à jour. La deuxième. Non la deuxième, c'est ils voulaient faire les structures un peu plus sa construction. Non au final il y a les tempêtes. Là la prochaine c'est les tempêtes. Ah, là, okay. J'ai relu le roadmap du coup c'était hier. Moi j'ai surtout hâte de voir c'est au niveau des biomes. Non, ça va être... Ouais, moi j'ai hâte des nouveaux biomes, je sais plus, je crois que c'est le... Ouais, du coup la troisième bêta, je crois. 3 et 4, parce qu'il y en a un, ce sera biome désert. Allez, ouais, je crois qu'il y a la neige puis le désert, il me semble. Alors du coup, au niveau tech, vous avez pris quoi pour l'instant? Alors pour l'instant, j'ai rien pris, j'ai attendu justement. Tech, j'avoue que lance, arc... J'ai perdu ma lance. Quelqu'un peut m'aider? Bon, personnellement, je pense que je vais partir sur l'arc au début. Refais-toi-en une. Oui, après à voir si on part quand même sur les mêmes trucs un peu au début et qu'ensuite on se dispatche. Ou... Bah, ouais, si tu peux craft l'arc et le donner, autant ça sert à rien du coup pour prendre tout cet arc là. Ouais, non, clairement. Moi je peux prendre feu de camp si vous voulez du coup. Ou bandage. Ouais, vas-y en vrai. Je vais prendre bandage. En vrai, feu de camp c'est utile. J'ai pris bandage. Je vais prendre à la limite les petits coffres en bois moi. Ah, et je peux prendre aussi feu de camp. J'ai pris feu de camp et bandage du coup. Ou alors ça dépend. Ça dépend. Kelly, tu veux partir sur tout ce qui est construit ou pas? Direct. Parce qu'en fait, celui qui va prendre les construits, il faut qu'il prenne full construit. Puisqu'en gros, il va débloquer les prochaines grâce au premier craft. Tu peux reset les points? Je crois pas, mais je suis pas sûr. Pas non plus.
Ah, parce que je viens de prendre une lance. Mais c'est pas grave, Bon, vas-y, je vais partir. On a plutôt beaucoup de points. Je vais partir construit, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout, il y en a un qui craft, mais après, on se rebalance les trucs. Après, on verra, peut-être que plus tard, on pourra de toute façon tout prendre. Je vais prendre les construits, du coup, je vais prendre ça. La porte. Alors, moi, j'ai le lit d'ailleurs, j'ai le Firewalker, je sais pas ce que c'est d'autant. Aïe! Ah, je suis mort, sauvez-moi. Quoi? Sauvez-moi. Je suis à côté de l'arbre, je suis en dessous de l'arbre tombé. Quoi? Ouais, je vais voir si ça m'a. Si on avait. Mais t'es où? Ah, mais t'es vraiment mort en fait. Ah, non, je suis inconscient. Je t'ai revive? Mais attends, mais là. Le pire mec. C'est l'arbre! Le mec qui a réussi à mourir par l'arbre, quoi. Ça fait quoi si je peux prendre l'arbre? L'un de vous deux peut prendre du coup les petits coffres à la limite? Je peux j'ai prendre. Un point. Et je moi... peux prendre, je peux prendre. En fait, il y a un truc qui me perturbe, je vois pas les encadrements de portes. Dans les construits, il y a les portes directes. Alors peut-être que ça se fait auto. On va tester. Hein. J'ai pris le coffre et je vais prendre aussi le teaser là. Ça permet de. Ouais, pour créer l'oxygène ou quoi, ça a l'air intéressant. Faudrait tester. Ok, j'ai pris ça du coup. Moi je me suis passé sur les premières branches en haut. Pierre Kelly, tu peux partir sur les armes. Les armes de mêlée et tout ça. Ouais. Ça voilà, on a un peu de tout quoi. Alors. On va faire 16. On fait une 4x4. Ah, je dis ça, mais il faut la fermer après. Bon, après, ça va, on est 3 à farmer, ça va se faire. Farmer du bois et des fibres. Attends, je mets des bandages, mais ça marche pas. Bandage, c'est pour le bleeding, c'est tout. Ah, c'est les fibres que j'ai plus. C'est super. Désormais, ça, je pourrais. Comment régène? Bah, la bouffe, ça en donne mangeant, un bonus. Je pense, ouais. Prenez-moi à manger. Bah, il faut qu'on fasse un feu de camp en vrai et qu'on chasse. Bah, d'ailleurs, celui qui a les arcs, à la limite, si tu peux déjà commencer à en créer. Ah, mais vraiment, les flèches, ça va être chiant si tu dois les faire pour tout. Ah, bah, de toute façon, je les ai pas débloqués. Attends, qui c'est qui a l'arc? C'est toi? C'est moi. Et t'as l'arc, mais t'as pas les flèches? Ouais, mais même avant, je pouvais pas débloquer les flèches. Mais parce que juste t'as pas assez de points, c'est tout. Non, non. Si, parce que je suis sûr que les flèches, tu les débloques. Ah oui, l'arc. Oui. Si. MDR. Bon, comment on place ça? Attends, mais... Hein, je le vois pas au sol, là. Ah, ça y est, ok. On va se mettre en bordure. Ouais, tu veux te poser vers où? Bah, genre là, hein, direct, non? En bordure d'eau. Je fais une 4x4. Ouais, ici, c'est bien, ouais, ici, c'est bien. Enfin, je dis 4x4, mais en fait... On est pas loin des pods, en plus, donc c'est bien. 3x3, ça dépend. Est-ce que le caillou on peut le casser entièrement là pour que je pense là ouais, oh, ça va être du temps, mais on peut. Attends, je vais essayer de démarrer là-bas dans le doute, voir si j'arrive à caler toute la base. Vous appuyez sur C pour avoir une vue à la troisième personne. Il est vrai, ah ouais, il y a peut-être moyen que ça passe sans. On va voir. Ouais, c'est bon, ça passe, c'est bon. T'embêtes pas avec le caillou. J'ai coupé des munitions. Je sais pas comment j'ai calculé, mais en manque une. Ah bah bravo. Ah mais j'avais peut-être pas assez de fibres en fait. Alors, je mets là. Point. Et celui qui a le coffre en vrai, mais nous direct un coffre, comme ça tu peux mettre les ressources dedans, on fait les échanges pour chacun. C'est exactement ce que j'allais faire. Voilà. Comme ça chacun, genre on va et mettre. Hop là. Genre mettez-moi des ressources pour la construire, on peut mettre des ressources pour les flèches pour les autres. Et on peut pick up le coffre. C'est bien ça. Par contre, y a pas là, un système d'amis ou qu'on se voit sur la carte? Ben ça je sais pas, j'ai pas trouvé, effectivement ce serait intéressant quoi. Eh regardez. Contrôle clic gauche si jamais pour transférer rapide. Hein. Pour les ressources. Venez chercher un arc. Il y en a là. Sans flèche. Oui bah écoutez. Non par contre c'est important de vite avoir les flèches. Essayez de passer un level pour débloquer les flèches parce que là il faut vraiment qu'on chasse pour avoir de la nourriture. Hein. Bah sinon j'ai des lances, ça marche pas. En vrai, oui. C'est galère. Non, mais c'est galère parce qu'en fait, ils fuient la plupart. Allez, sauf les loups. Et les loups, ils vont t'arracher en fait. Si tu vas à la lance. Vraiment, les arcs, tu penses c'est mieux. C'est bon, j'ai des flèches. Nice. Et vous pouvez voir normalement ici, hein. Ouais. Donc la boisson, c'est okay. Bon. Après, ah ouais, l'oxygène. L'oxygène, c'est cher à faire ou pas ton truc là avec le. Il faut des os et du lézard. Donc il faut chasser. Ok. On va se mettre des lances là, si vous voulez. Ok. Incroyable. Merci. Tu sais que tu leur consommes leur dura en faisant ça. Ouais. C'est pas grave. Donc.
On va tester déjà le système de porte, je pense. Ah, est-ce que je peux chasser le poisson? Vous avez une éponge qui permet de stocker de l'eau. Il y a dans l'eau. C'est une sorte de truc. Intéressant, mais je vois vraiment pas. Alors, peut-être qu'on peut retransformer les structures. Ah, oui, variant. Effectivement, il y a plein de trucs écrits à droite. C'est vrai. Ah voilà, bah la fenêtre c'est aussi comme ça du coup. Hein. Ok, ok. Bon bah du coup... Tac. J'en ai même dit à taper sur les murs. Ça fait moche d'avoir full mur ici, on va mettre une fenêtre et une porte au milieu. Et où la vitre du mur? Regardez, y a pas? C'est des effets de destruction hein. Allez, encore un. Satisfaisant hein. Niveau pierre oxygène vous êtes bien ou pas? Hein? Ouais. Oxygène pas ouf. Non mais c'est celui. Attends, j'ai tapé dessus. Oui bah oui. Ok bon vas-y je vais faire quelques murs du coup maintenant. Ok. Et des sticks. Ouais mais je sais pas si... Non c'est du wood que j'utilise, vas-y je peux t'en filer plein. Ah ouais. Oh, j'en ai plein. Je vais te les mettre dans le coffre. J'en ai 300 hein, bon. Si jamais. Quoi? 300. Ouais 200 et quelques quoi. Tiens. Je crois pas que j'en ai besoin pour les construire. Ah si j'en ai totalement besoin pour les construire en fait. Bon je t'en mets quand même 100 dans le coffre. Hein? Que 100? Non mais je croyais que c'était du... Bah oui non j'avoue que c'est pas en bois que je fais, c'est en stick du coup. Ok donc là on va faire les petites fenêtres. Un split. Split. On va faire ça là. Faire une fenêtre ici. Faire une autre. En face comme ça. Voilà une là. Et là on repart sur du mur. C'est les cadavres. Il manque 1, 2, 3, 4. Est-ce que je prévois déjà un étage au cas où? Ouais, oui, non, parce qu'il faut fermer en fait assez vite. Au pire, on peut casser facilement, ça va. Mais bon, vous avez 20 flèches chacun. Là, vous êtes content. Bah, ouais, plutôt, ouais, merci. Ça fait plaisir. T'as des fibres ou pas? Je veux bien des fibres pour construire. J'ai besoin en masse. Parti. Moi, je suis si loin. Espèce d'enfoiré, je suis derrière toi. Oh, le poisson! C'est pareil. Qu'est-ce que t'as fait, Noctas? J'ai tapé un poisson, il faisait des roulés. Il roulait à l'infini! J'arrive pas à répondre. Au revoir, le poisson. Si, c'est bon. Viens me dire. C'est paru. J'en ai deux. Un sauveur, j'ai retrouvé. Quatre. Alors. Ah, j'ai eu des os aussi. Vous avez des fibres? Des fibres, j'en ai un peu. Je peux t'enfuser. Oui, je peux bien. Ok, ça y est, on peut mettre la porte. Est-ce qu'il y a un sens à la porte par contre? Je crois non, je vais. Ah si, si, je crois. De 27. Bon, après, même s'il y a un sens, au pire des cas, ça va pas être trop grave, je pense. Ah là, bon. Tac. Ah, 27, oui, effectivement, c'est très peu. Elle est pas grand chose, hein. Oh, attends, les fenêtres, elles ont l'air trop stylées. Ah, oh, mais oui, alors, oui. Regarde ce qu'il y a à la fenêtre. À la fenêtre. Regarde. Non, regarde en mode bonjour. Un truc. Quoi? Attends, je vois rien à la fenêtre. Tu vois pas le cerf en face? Non. Mais non. Sérieux? Mais oui. Regarde, j'aime bien avoir tué, je viens de le tuer. Mais what, attends, j'ai vu un 128, je le vois pas ton cerf. Hein. Ah ouais, sérieux? Mais mec, je l'ai pas vu. Par contre, regardez les fenêtres, elles sont pas trop stylées, genre ouvertes comme ça. Attends, je l'ai tué, il est où? Mais je te dis, il était pas, je crois que tu. Il y a une D5 ou je sais pas. Hein. Peut-être des bugs en multi ouais. Encore. Hein. Ah ouais, je pense aussi. Okay, j'ai fait ah non, il est sous l'eau. Ok. Bon bah, go fermer des fibres. Regarde, tu me vois pas avec la biquette, hein. Ah là si vraiment, oui là je te vois revenir avec. Ah, par contre c'est trop stylé. J'ai ramené la chasse à l'île. Par contre même ça c'est trop stylé oui, te voir le porter et tout. Et il faut un couteau pour le déposer du coup et après tu peux le faire cuire. Ouais je te donne le couteau. Tiens non vas-y. Bah dépose direct. Vas-y. Je te le laisse.
Humus. Alors on a l'impression qu'il est encore en vie, mais vas-y. Et où? Ah, il est là, tu vois pas? Par contre, faut quoi du coup pour débloquer le tiers supérieur en. Weather incoming! Ah, faut vite fermer la base. Allez tous farmer des fibres et vite. Ah, regardez, un squelette. Ah, du coup, c'est un squelette. Il faut vite des fibres, hein, sinon je peux pas fermer la base, les gars. C'est la merde tant que ça? Ben, je pense, oui. Je pense qu'on meurt en fait. Hein. Ok, il reste juste de la pluie. Quoi? C'est quoi ce que j'ai perdu? Ah, je commence à mourir de faim et de d'oxyde, c'est ça? Ah, consume c'est demandé, hein. En plus. Consume. J'ai demandé, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu peux le taper et tu as des os. Ah, tu peux taper ça à la. Ah, j'avoue que je n'avais pas retapé la carcasse, moi, sur mon test. J'avais juste récupéré. Donc, il me faut 16. J'ai mis 141 de fil dans le coffre. Ok. Il pleut. Si t'as des sticks, je veux bien aussi. J'aurais peut-être besoin. Des sticks. En vrai, il y en a dedans, ça devrait faire. Donc, 1, 2, 3. Normalement, j'ai de quoi finir, c'est bon. Eh, tenez, j'ai des trucs. T'as fait cuire ou pas, en fait, la viande? J'ai pas, non. Ah bah, y'a plus de. Si, tu me mets sur le côté et tu fais activer. Ah, t'as la viande qui. Ah oui, qui se met au-dessus et tout, t'as vu les animations pour tout. C'est trop bien. On est en shelter ou pas encore là? Ah non, ça s'éteint, c'est normal, t'as le. Vas-y maintenant, tu peux l'allumer. Ah, ça s'est éteint à cause de la tempête le feu? Ah, attendez, je mets toutes les fenêtres. Et fermez les fenêtres et les portes. On ferme. C'est fermé. Là, les fenêtres, c'est bon. Celle-là et la porte. Ferme la porte. Ok, et maintenant? Tada! Pas du tout. Non, quoi? Pourquoi c'est un? Attends, mais on n'est pas abrité là? L'humidité. Attends, est-ce que quelqu'un a débloqué le lit ou pas? Pire, je vais le prendre. Oui. Hein. Ok, tu l'as. Je l'ai le lit. Ah oui, non, mais oui, t'as le feu donc oui. Bah, essaye de faire un lit et j'aimerais bien voir à côté, il marque si on est. En gros, si on est abrité ou pas. Il j'aimerais faut bien vérifier. Du fur et du laser. Ah, et t'en as pas eu sur. Laser, j'en ai. Et j'ai pas eu de fourrure. Si, moi, j'en ai. Ah là, t'as eu beaucoup? Plein. J'en ai 12. Et laser. La fourrure aussi. Et des fourrure 6, je crois que je n'ai pas assez du coup. Bon, on est pas bien là-dedans, les gars? J'ai un poisson. Aussi. Encore, j'ai pas assez de laser et de fourrure. Pour l'instant, je le garde, mais. Je vais aller voir, c'est pas encore la grosse tempête là. Non, pour l'instant ça va, c'est incoming. Je vais aller voir si je peux pas chasser un truc vite fait. Ah non, là il y a marqué no shelter, ok. Ouais, tu vois la storm exposure. Et là-dedans, tant que c'est pas fermé. Ah si, même si c'est pas fermé, c'est bon, on est abrité là, ok. Ok. Vu qu'il y a la porte et tout, je pense que c'est bon. Bon. En vrai, on a quand même le temps, je pense, de chasser un truc et de se remettre dedans après quoi. Par contre, ouais. Faudrait un chassé, peu là, j'ai eu un cerf. Ah, allez, il y a un poisson au pire. Je sais pas comment l'avoir le poisson parce que là il va fuir en fait. Non, tu le one-shot. C'est bon, j'ai un poisson déjà. Oh enfin, on disait qu'on vise du laser, j'en ai pas. Ça, j'étais pas prêt ça. Tu savais que quand tu vises en mode flèche et tu tires, ça fait la. Tu vois la vue de la flèche? Alors, j'ai pas compris, ça me l'a fait une fois, j'ai pas compris ce que ça faisait en fait. C'est. C'est pour moi ta flèche, comment. C'est stylé. Ça. Ouais, mais je l'avais refait et ça marchait pas, donc est-ce que c'est pas que quand on fait le kill ou quoi? Je sais pas. J'ai pas trop. Ça me l'avait fait une fois en random et j'ai pas su le refaire en fait. Il y a un 12. Attends, 52. Attends. Attends, mais il y a un problème là. Ouais. Bah, notre coffre là, il est en train de casser parce qu'il est considéré dans la tempête. Il est pas considéré. Il est pas considéré shelter, genre il est pas à l'abri. Peut-être qu'il y a eu le même problème avec le feu. Enfin, le feu il a l'air d'être à 100%. Ah ouais, il a fait aussi. Hein. Mais peut-être qu'il considère qu'il était pas parce qu'on l'a construit avant d'avoir fini le toit. Peut-être que là il faudrait. Ah. Attends, si on le pick up et qu'on le refait.
et qu'on le repose. Attends. J'ai un peu mauvais là. Ah, attends. Attends, je vais essayer de pick up et je vais le reposer parce que là on va le casser sinon. Après, il faudra faire le marteau au pire pour réparer. J'ai encore Kelly. Pause pendant la tempête. Non, il n'est toujours pas shelter, il y a toujours le même truc à droite. Pourquoi ça fait ça? Kelly, tu peux me passer ton couteau? Hein? Le couteau. Tiens. Bon, le feu, apparemment, ça marche. Ouais, mais tu vois, là quand tu regardes dessus, le coffre à droite, il y a un truc shelter barré, tu sais. Ouais, le coffre. Non, moi il est pas barré, moi, shelter, moi. Ah ouais? Ah, c'est un bug d'affichage alors. Ouais. Ouais, il est barré. Mais du coup, il est dans le feu. Du coup, il y a moyen que c'était peut-être buggé parce qu'on l'avait construit avant de faire la base, donc peut-être que maintenant ça, ça sera bon. Ouais. Sous le pied, Earth. Marche dessus. Ouais. Je vais couper ça. Est-ce que je peux mettre en attente déjà le poisson? Je pense. Je peux prendre un stack. Hein. Et là, il faut que j'aille chercher aussi de l'oxyde. Ok, bon, c'est bon, là on peut ressortir un peu. Bah, je pense, là, objectif, ça va être de chasser un petit peu d'avance, d'aller chercher de l'oxyde d'avance. Il faut faire le lit, il me faut juste un peu de fibres. Ok. Ah, c'est quoi ça? Bah, je vais en ramener un peu là, je suis en train d'en farmer. Je vais te remettre des fibres. D'ailleurs, j'ai peut-être pris ce décoffre tout à l'heure sans vouloir. Attends, je le mets dans le coffre, ce sera plus sûr. Et bah, j'avoue, bah, il va falloir plusieurs lits, je pense. Hein. Ah, mais t'as déjà des fibres dans le coffre? Et si tu peux faire le truc d'oxygène après. Mais par contre les lits, bah donne-les aux gens qui les placent eux-mêmes, je pense. Bah pour l'instant j'ai qu'un seul lit. C'est qui veut mettre le premier lit. Bon, peu importe, hein, vas-y mets-le. Hein. On va essayer de chasser et je te dis, faut essayer de voir pour faire le truc d'oxygène aussi. Parce que l'oxyde ça a l'air quand même assez galère à trouver là au final. Ça a l'air un petit peu galère à trouver. C'est mon spawn maintenant. Ok. Et je sais pas comment marche la machine, si ça génère auto ou s'il faut mettre de l'oxyde et que ça le transforme. Je prends un peu le laser donc que j'ai chassé encore. Ah, j'aimerais bien croiser un animal aussi. Croiser grand chose. Je vois que des cerfs pour l'instant seulement. Par contre, faites gaffe dans l'eau, il y a des petits poissons qui te mordent. Ouais, des genres de piranhas. Ouais. Après, c'est pareil, tu les one-shot. Hein. Ouais, aussi. Donc, tu prends ta lance quand tu nages et c'est bon. Oh! Raton laveur! Ok, je peux le porter dans l'inventaire, lui, qu'il est petit. Il me faudra un couteau, par contre, aussi après. J'ai pas encore mis mes points de talent aussi. Ah, y'a de quoi chasser là, bah voilà. Ouais, non, mais il me faut un couteau en fait. Bah, j'avoue que si j'ai pas de couteau, ça sert à rien que je chasse tout ça. Si, tu peux ramener les carcasses quand même. Non, mais je peux pas ramener 3 carcasses à la fois quand même. Non. Je vais le débloquer en vrai, je vais le débloquer, c'est pas grave. Je vais le débloquer, je vais m'en faire un parce que sinon. Par contre, le temps que je le fasse, ouais. Je savais pas qu'ils partent tous. Ah, il y a de l'oxygène à côté aussi. Ok, j'ai compris l'effet. C'est quand t'es en furtif. Ah, de la flèche? Ouais, je viens de le refaire. J'ai ça fait style attaque, pourcentage de dégâts en plus. Ah mais c'est toi là, mais c'est pour ça qu'il y a des trucs qui couraient là. Voilà qui? Je sais pas, il y a un mec à ma gauche là. Ça doit... C'est Noctas qui chasse là? Possible. Enfin, de chasser aussi. Hein. Oh! C'était à moi! Non mais... Oh! C'est Kelly alors qu'il est à ma gauche, mais par contre... C'est combien? 840 celui? C'est insane, je l'ai tué? Il est où?
Bah, il est là, je... là, c'est dans les feuilles, quelque part. Ah ouais? Je sais pas si j'ai vraiment tué en fait. Ah, j'essaie de monter, j'arrive pas. Mec, je vois rien, on peut pas faire des torches. Je l'ai vu tomber, il est là, là. Regarde là, là où je suis. Ouais, mais je veux quand même des torches. Ah, mais il faut non, débloquer des torches, je peux apprendre ça. Ah, oui, bien. Ah, mais il faut quand même le. Ouais, c'est ça, faut le campfire. Prends, comment ah, tu, ah. tu cheats et que tu l'as tué? En fait, j'étais en. Ah bah non, je sais même pas si j'étais en style ou pas, du coup. J'ai même pas fait gaffe, je sais plus, faudrait que je regarde le replay. Je sais pas si j'étais accroupi ou pas. Bah je pense, si c'est vraiment ça, du coup. Je l'ai peut-être fait machinalement, je sais plus si j'étais ou pas. Mais en gros, ouais, je l'ai snipé de loin. Et effectivement, ça a suivi la flèche. Et il y a eu un gros critique là, et. il est tombé instant, c'était trop propre. C'était kiffant. Par contre, je vais retourner en arrière, moi je vais retourner prendre de l'oxyde en passant. Mais il faudrait vraiment que j'ai une torche, ce sera quand même plus agréable. Mais il y avait plein d'autres trucs à chasser hein, vers là où on était par contre, Kélien. Ah bah j'ai essayé de chasser un truc, il y avait trop de feuilles, j'ai perdu. Ouais, mais déjà essaye de t'accroupir avant. Oh mais... on en parle de lui ou pas là? Quoi? J'étais en train de farmer, il m'est passé à côté genre. Mais au calme... Oh, il y en a un autre là-bas. Attends, attends, attends. On va le tenter. Oh non, pourquoi? Je viens de tuer un loup, hein. C'est chiant. Ok, j'en ai tué un là-bas encore. Tant pis, en vrai, je vais peut-être aller le récup direct. J'ai un peu d'oxyde. Ça le fait. Évitez les loups, ah. Hein, même avec l'arc. Ah, mais attends, j'ai trouvé le cadavre et il y a le petit qui dort juste à côté dans l'eau. Oh, il me fait trop de la peine, lui, par contre. Tue-le. Ouais, je l'ai tué. Mais il me faisait de la peine quand même. En vrai, c'est triste. Ok, Lee, t'as la peau ou pas? Ah, ouais. Je vais faire le dernier lit. Comment on met vite ça marche pas. Là, y'a plus de place, de toute façon. Laser, tiens aussi. Ah, je suis désolé, mon petit, hein, mais bon. Tu m'as mis bien aussi. Hein. Du laser, t'en as aussi? Je vais en ramener aussi, hein, au pire, hein, s'il en manque. Ouais, j'en ai mis. Tiens, ok. Comment je fais pour drop? Hop, tiens, prends ça. Je vois plus rien, les gars, par contre. Faut vraiment faire des torches après. Je vais en faire nuit, là. Tiens, Kenny. Tiens, ouais, attends. Ah ouais, elle éclaire bien, la torche, en vrai, ça va, hein. Ouais, ouais, elle est clairement bien. Après, c'est parce que c'est l'intérieur aussi. Du coup, forcément, avec les murs, ça reflète. Ah, c'est quoi ça, wood pile? On peut mettre direct. Oui, c'est pas du tout. Ouais, 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 ouais. J'avais pas compris. Attends, comment ça fait du coup? En fait, c'est un craft que tu débloques, enfin, qui est dans Tech Tree. Ah, et en fait, quand tu le reprends, t'as direct les 100 de bois. En fait. Ok, je croyais que c'était un genre de coffre, moi. Tiens, je te remets le bois là-dedans. Je te remets dans le premier truc. C'est un peu mal fait, mais. Non, mais en vrai, pourquoi pas, mais oui, je me suis fait avoir. Quoi. Ouais, mais ça aurait dû être genre juste un coffre, en fait. Ouais, ça aurait été bien. Bah, t'es mieux. Attends, je peux appuyer sur F pour entrer. Et tu restes appuyé pour sur spawn, F pour okay, Le spawn c'est bon, mais ça fait quoi si je rentre dedans là? Je sais pas du tout, je crois que c'est pour la régénération. Si j'ai compris, tu les gars, je suis dans mon lit. Ah ouais. Ah, je voulais mettre à la troisième, mais je sais pas comment on se voit dedans. PC. Je t'ai mis sur toi. Bon, attends, attends, vas-y, va dans ton lit pour voir. Ah ouais, si tu te couches et tout, quand même, ok. Ok, ok. Très bien, du coup, moi j'ai beaucoup de choses vite à faire chauffer d'ailleurs. Ouais. Et il s'en va tout seul ou c'est parti Non, moi j'ai appuyé sur F. Hein. Cookfish. Ah, t'as un bonus là, pas du coup. Bonus vert. Moi j'ai mis les os là-dedans. Ok. J'ai tellement de trucs différents là sur moi. Liseur. Attends, tout ce qui est animaux, on le met où à la fin, c'est ça? Ouais, les os, ok. Liseur, fourrure.
Ouais, après je dis ça, mais bah, premier coffre, je vais mettre les ressources hein, du coup. Les arts, j'ai gardé pour l'instant. J'ai du copper, l'iron, j'ai fermé plein de types de ressources différentes. Voilà. Je vais mettre un peu d'oxyde aussi. Quoique je dis ça, mais je vais en avoir besoin. C'est quoi ça? Ça, on peut manger. On va mettre là-dedans, je sais pas trop ce que c'est. Ok, et c'est pour l'oxygène ça? Ah, bah juste ouais. Quand j'allais te demander où t'en étais pour ça, parfait ça. Alors, on a un d'oxyde. On va de l'oxyde dedans. Ouais, j'en ai mis un. Deux. Ah, ok. Vas-y, hein, j'en mets 50. Hein. Je sais pas s'il faut mettre les 50 ou c'est juste tu peux aller jusqu'à 50. Je sais pas du tout. Vas-y, je les mets. Hein. J'en ai farmé autant que ça serve. Presse tout consume. Ah mais attends mais. Presse F tout consume. Oxygène. Parce que ça transforme en oxygène, c'est pas juste un stockage, on est d'accord. Ah, attends, zéro. Attends, là t'as utilisé. Ouais. Ah oui, effectivement, là c'est pour ajouter un d'oxyde, mais en haut à droite, il y a 0 litre. Est-ce que ça prend juste un peu de temps? Peut-être. J'ai en crafté un deuxième au cas où. En fait, je sais pas si ça prend du temps. Ouais, si ça prend du temps parce que là on a 0,02. J'ai pas assez de laser pour craft un deuxième déjà. On verra déjà. Aussi. Alors. Et là on peut consommer. Par contre, tant qu'il est pas full, y a pas la touche pour consommer. Ouais, je sais pas tout ce que c'est. Attends, mais press to add. To consume. Là, je fais F pour consommer, mais je consomme pas du tout. Hein. Ou alors, faut laisser appuyer. Ah, mais il faut peut-être attendre la fin parce qu'il y a quand même un cercle à côté du 0,12. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit full. Fin. On va voir à la fin. Par contre, je vais en avoir besoin, moi. Ouais, moi aussi, je vais mourir. Oui, ben. Quel c'est le problème? Allez, fermer de l'oxyde. Hein. Je viens d'en mettre 50 là-dedans. Il m'en reste en vrai, mais au cas où ça marcherait pas trop, ça, je préfère m'en garder un peu, quand même. En vrai, je peux t'enfiler un peu pour dépanner, mais. Attends. Je peux t'enfiler 13 si tu veux, Kenny. 13? Oui, bah écoute, j'ai fait moitié-moitié avec ce qui me reste. Hein. Dans le coffre à côté du feu. J'avoue que je commence à avoir un bruit en mode. De... Ah, mais attends, mais. Voilà, on le voit gonfler en fait en temps réel le truc, ok. Ah ouais, c'est stylé en fait hein. Donc ça t'as l'oxyde ici en fait, et en gros là ça se met là-dedans après dans le ballon là. Ok. Ah par contre j'avais lui là encore. Hop. Ok, let's go. Leaser. T'es plus à la base, Kelly, du coup? Tu veux pas le ce que je t'ai filé? Non, je sais pas, apparemment c'était pressé, t'allais mourir et tout. Et la viande pourrie, ça fait du charbon. Oh, ça gonfle à fond! Oui, t'as vu? Bah là, je pense quand il va arriver à 1, mais je pense qu'il en faut plusieurs, hein, du coup. Hein. Après, je peux. Je pense pas que ça consomme les 50 hein, quand même, parce que déjà il en manque 7, on en a remis plusieurs, mais on a dû en consommer 20 au maximum, je pense. Je pense que ça doit consommer 20 pour faire un truc. Par contre, on va voir, je suis quasi à zéro, je vais essayer d'en prendre. Après, peut-être qu'on pourra tous en prendre, hein, je sais pas. Ça se trouve, il y a plusieurs bouffées dedans, tu vois. Mais là, je suis presque à zéro, on va voir combien ça remet du coup. On va voir si c'est rentable parce qu'il y a quand même masse oxyde dedans, donc logiquement, ça doit l'être. Ok, on a 0,9. Fais-toi attendre d'arriver à 1 quoi. Allez, ça va arriver. Ok, là c'est 1. Et par contre, il n'y a pas la touche pour consommer. Donc tu vas me dire, il va falloir que je remette les 50 avant de pouvoir utiliser. Non, là tu peux consommer si tu vises. Ouais, moi c'est bon. Ok.
Comment tu fais? T'as consommé, Kelly? Oui, il en j'ai a pris. J'ai appuyé sur F. Non, mais comment t'as fait? C'est ta mission, là. T'as visé où? J'ai appuyé sur F. Oui, t'as visé où? Tu passes sur le truc. Tu vises le. Moi, il est marqué press to add Occitan. Ah, ça m'a quand même consommé. Bon. Ok, ça consomme, mais il n'y a pas marqué le bon truc en fait. Par contre, oui, ça m'a remis full. Hein. J'ai consommé 0,15-0,20 et ça m'a remis full par contre. Ouais, donc ça vaut le coup. Hein. Ouais, je pense que ça vaut bien le coup quand même. Ouais. Ok, bah écoutez, je vais mettre tout mon oxyde du coup dans l'autre aussi. Et... Ça te déconne là-bas. Attends, mais j'arrive pas à le mettre dans l'autre. Si. Ah, c'est safe. Ouais, en fait, c'est ça, t'as raison, ça dépend où tu vises. Ça dépend, voilà. Si tu vises le bois, en fait, tu rajoutes de l'oxyde. Et si tu vises le ballon, en fait, tu récupères l'oxygène, ok. Ok, bon. Bon, bah, ça, c'est bon à savoir, du coup. Là-dessus, on est bien. Je vais aller boire un petit peu. La Dura a pas l'air de trop descendre pour la torche, par contre. J'ai pas de torche. Si, t'en as mis une dans le coffre. Est-ce que, alors, si tu veux, un bandage, au cas où. Pourquoi pas, on sait jamais. Quand on va faire de l'explo, en vrai, on sait pas sur quoi on va tomber. Merci. On va voir hein, si toujours est-il. Parce qu'il y a le loup, il te fait du saignement. Ouais, ouais. Bah écoute, en vrai, moi je suis pas trop mal, même. Ce serait bien qu'il fasse jour quand même pour aller explo après. Mais dès qu'il fait jour, je suis chaud d'aller essayer de se tenter une phase d'explo. Alors, attends, je regarde un peu les talents en même temps, moi. Le temps qu'il fasse. Ah oui, moi aussi, je vais faire ça. J'ai mes points à mettre. J'ai mes points de talent, j'ai 6 points encore pour le tech tree aussi. Il y a le truc de capacité qui est pas mal quand même. Si. Attends, mais la crafting bench. À quel moment on la débloque? Ah oui, bah niveau 10 là-haut, T2, ok. Bah, en vrai, j'avoue que d'ici qu'on soit niveau 10, en fait, on pourra débloquer quand même pas mal de choses. Ouais, puis on a un peu le temps quand même. Hein. Ouais. Ouais, non, mais ça en mode en fait, peut-être qu'on aura pas besoin de trop se répartir finalement. Ouais. Après, ça dépend, les construits. Niveau 5, ça dépend si niveau 5 on veut passer en bois, mais vu qu'on est en mode découverte, je pense pas qu'on fasse tous les tiers de. Ah, y'a un truc qui m'attaque, sauvez-moi. J'éclaire et tu tues. Je peux taper avec ça? Attends, peut-être je peux lui mettre le feu. On l'a tué. Moi, j'ai tué. Saleté le loup. C'est un bandage du coup. Hein. Un bandage. Le fameux. Et ouais. Et du coup, tu vois, c'était utile. Ouais, ouvrir les fenêtres. Hein. Ça, c'est pas. Il ramène à la maison. C'est le trophée. Ah, mais ça casse tellement vite, ça, par contre. Tu sais que j'ai peur de casser la base en faisant ça en même temps. On va éviter de les ramener à l'intérieur hein, au cas où. Est-ce que je peux repair déjà? Yes. Mais ouais, non, je sais pas si on va faire quand même tous les tiers de construit ou au moins peut-être faire un pan de mur dans chaque tiers pour tester au moins de voir à quoi ça ressemble. Mais peut-être pas forcément transformer la base entièrement. Ouais. Ouais, c'est vrai quand elle va s'envoler pendant une tempête. Ah, et niveau 5, j'avoue, t'auras les coffres en plus en médium. Ouais, moi je pense que je vais partir sur l'explo. La vie en plus, les déplacements. Ouais, l'explo est pas mal aussi, j'hésitais aussi. Et derrière, stop. Ouais, c'est ça, oui, tu peux réduire la soif, la faim, l'oxygène. Ouais, non, j'avoue que l'explo est pas mal. L'explo en fait, c'est la survie, genre. Ah, c'est ça. J'aime bien. Il faut combien pour débloquer le truc en dessous? Si je fais ça, c'est bon? Ouais. En vrai, c'était idiot la soif, logique. Quoique, on sait jamais, peut-être qu'on trouvera pas au bout d'un moment. Voilà, moi j'ai pris dans la chasse. Peut-être qu'au moment il y aura pas trop de spots d'eau. Mais toi, t'as dit que t'avais une genre d'éponge là qui. Ouais, j'ai trouvé ça, c'est, ça s'appelle une éponge. Regarde, si tu veux, je peux ta drop. C'est sous l'eau directement que tu l'as eu? Regarde, ça, échappé. Ah ouais. Et du coup, ça. Tu peux stocker un peu de bois dessus. De l'eau. Donc, 25 water consommé, 100 unités en use. Ok, vas-y, tiens, je la rends.
Mais ouais, bah c'est intéressant d'essayer d'en choper alors sous l'eau peut-être. Ouais, faut un petit peu de plongement. C'était plus profond où j'étais tout à l'heure, peut-être qu'il y en avait. Maintenant que je vois à quoi ça ressemble. Après, je pense qu'on va pouvoir faire des gourdes, mais j'avoue que j'ai pas fait attention. Parce que là, pour l'instant, ça, on a de l'eau, mais bon, j'imagine qu'il y a des zones où ça va être plus compliqué. Quoi. Ok, on se tape une tempête. Ouais, après la tempête et que la nuit soit passée, en vrai, go partir expo, quoi. J'avoue. Juste quand j'ai réouvert les fenêtres, mon plus. Allez hop. On va refermer. On joue RP. Allez les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt.